C'est une voie d'intérêt général construite en 1880 pour relier Grenoble à Gap et desservir le plateau Matézin. À 900 mètres d'altitude, elle descend dans la vallée du Drac, 600 mètres. Le tronçon Saint-Georges-de-Cobier-Lamure sera mis en service en 1888 en traction vapeur. La section Lamure-Gap ne sera jamais construite. Le trafic est constitué par le transport du charbon extrait des mines vers Saint-Georges-de-Cobier. En 1912, la ligne est entièrement électrifiée au moyen d'une ligne de contact double à plus 1200 et moins 1200 volts. En 1951, la ligne aérienne est simplifiée par un seul fil de contact et une tension très rare de 2400 volts. Avec les décrets de coordination rail-route, le service voyageurs est arrêté en 1950. À fin des années 1980, le transport du charbon décline et l'activité des mines s'arrête en 1988. Une exploitation touristique prend alors la place des berlines de charbon. Les vaillants tracteurs de 1933 continuent de tirer les rames de touristes sur les 30 km du parcours jusqu'en 2010, où le 26 octobre, un éboulement de la falaise surplombant la voie s'effondre, précipitant 3000 m3 de terre et de rochers, endommageant le viaduc de la Clapisse et une galerie de protection. Cet éboulement au milieu de la ligne entraîne l'arrêt de l'exploitation. Les installations sont laissées à l'abandon. Des voleurs de cuivre arrachent des sections de caténaire. Le Conseil général de l'Isère consulte pour relancer l'exploitation. C'est la société EDEIS qui est chargée de la reprendre. Un projet de 26 millions d'euros, dont 15 millions sont financés par le Conseil général de l'Isère, délégataire de services publics, et 6 millions pour la société. D'autres partenaires, la communauté de communes, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'État boucleront le budget. Après d'importants travaux de voies et la mise en place d'une caténaire entièrement neuve, le trafic reprend en 2021 sur le parcours entre Lamure et Montaignard, où le voyageur peut accéder au grand balcon, à l'emplacement de l'ancienne voie. Un belvédère où l'on découvre le lac de Montaignard à Vionnet, soit 15 km de ligne, et là donc la moitié du parcours. Le matériel roulant a été restauré. Pour les locomotives, dans des ateliers espagnols à Villablino. Les trois machines sécheron datant de 1933 ont été livrées en 2020. Deux trains sont alors posés. Ils comportent un fourgon, un générateur pour l'éclairage et la sonorisation des voitures. Trois voitures venant du réseau suisse Montereau-Oberland-Bernois
et une voiture découverte baladeuse qui provient de la Société Générale de la Compagnie de la Mue. Dans la nouvelle gare de la Mure, il est 10h20 et les voyageurs attendent ce premier train de la journée qui vient de se mettre à quai. La caténaire a été refaite là. Ouais. Toute neuve, hein. Ouais, mais bon, ils ont fait du bifilaire. Avant, c'était du bifilaire en fait. À l'époque du chat. Les kilomètres sont effectués sur le plateau Matézin avec un profil facile. Il y avait de nombreux embranchements pour desservir les puits de mine et des gares pour le service voyageurs. La ligne quitte le plateau par le tunnel de la Festinière, 1071 mètres de long, et va descendre dans une pente de 28 000 en s'accrochant au relief. Il faudra compter 18 tunnels et 9 viaducs de plus de 30 mètres. Nous arrivons au musée de la Minimage, le musée des gueules noires. Nous arrivons dans la gare de la Motte-Aveillant. C'est la seule gare du parcours effectuant une opération de sécurité. Les deux trains se croisent dans cet établissement. La règle est celle des voies uniques à signalisation simplifiée. Un poste de commandement situé dans la nouvelle gare de la Mure donne par radio au conducteur l'ordre de pénétrer sur la section de ligne suivante. Il en va de même à chaque terminus pour la remise en marche du mouvement.
la vitesse limite est de 30 km/h, l'entrée des gares et établissements de pleine ligne sans sécurité se fait à 10 km. La descente dans la vallée du Drac se fait avec une déclivité de 28 pour 1000. Il faut parcourir 6 km entre la gare de la Motte à Vélian à 875 mètres et le viaduc de Vaux à 710 mètres. La distance à vol d'oiseau est de 1 km. Vient ensuite le point le plus spectaculaire de la ligne, les viaducs de Loula. Deux ouvrages, Loula amont, 110 mètres de long, et Loula aval. Les deux ouvrages sont reliés par 1,5 km de voie pour une différence de hauteur de 40 mètres. Tous les ouvrages de la ligne sont construits en maçonnerie avec des arches de 10 à 12 mètres d'ouverture. La plupart sont courbes et en déclivité.
15 km après avoir quitté la Mure, c'est le terminus sur la commune de Montaillard, où une gare a été aménagée pour retourner la machine, car il n'était pas possible de créer un évitement sur le grand balcon. Les voyageurs sont donc invités à descendre à ce point et à continuer à pied dans l'ancien tunnel de la ligne pour accéder au grand balcon et profiter de la vue exceptionnelle sur le barrage de Montaignard à Vionnet. Une plateforme sécurisée est mise à disposition des voyageurs. Un restaurant est également présent au début de la promenade. Le barrage de Montaignard à Vionnet a été mis en service en 1962. C'est un barrage voûte de 455 000 m3 de béton avec à sa base une usine et quatre prises d'eau qui alimentent des groupes de production après une chute de 127 mètres. Il produit 360 MWh et est le second barrage hydraulique après Serponce. Le lac de retenue a une longueur de 16 km. Ici se termine le voyage. L'éboulement de 2010 a coupé la ligne et des milliers de mètres cubes de rochers sont encore présents. Sur le grand balcon, les supports caténaires sont là, servant de lampadaires pour le service spécial lundi, fait au coucher du soleil. La reprise de l'exploitation sur les 15 km restants n'est plus à l'ordre du jour. Elle nécessiterait des travaux considérables et EDF ne peut pas voir se déverser les pierres dans le lac de retenue des barrages afin de ne pas obstruer les prises d'eau de son usine. On peut le regretter. Et la mise en service des 15 premiers kilomètres de la Mure à Montaignard est déjà une grande réussite et suffit à notre grande joie de remonter dans ce train touristique qui a bien failli disparaître avec l'éboulement. La machine de 1933, toujours impeccable, vient se remettre en tête de notre âme pour retourner à la Mure par cette voie tourmentée avec ses nombreux ouvrages d'art reliant la vallée du Drac au plateau Matézin. La ligne de la Mure a bien failli disparaître à tout jamais. Il faut remercier tous ceux qui se sont investis dans cette entreprise pour nous
offrir ce voyage hors temps dans les somptueux paysages des Alpes.